Tiens, j'ai plus son. J'avais un problème de son. Ok. Bon. Eh merde, c'était des pistons collants qu'il me fallait. J'ai trouvé. Je suis à peu près où t'es. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Et oui, donc j'ai voulu bien me concentrer sur ce que je faisais. Et donc j'ai trouvé le troisième Stronghold qui se trouve juste là. Juste ici, là. Et ça m'arrange pas que ce soit sous la flotte. J'ai envie de, quand même de creuser à l'arrache. Alors c'est ce qu'on va faire. On va y aller ensemble à la YOLO. Je vais prendre plutôt mes torches de normal. De toute façon, je devrais pas tomber dans la lave quand même. Bon, j'ai des pioches efficacité 5 et puis des... Enfin, j'ai tout efficacité 5. Je suis en train de noyer. Et donc voilà, donc on va faire ce Stronghold ensemble. Donc ça va être un épisode de Stronghold. Encore. Comme le précédent, sauf que le précédent était pas très fructueux. J'espère que celui-ci le sera davantage. Et puis voilà. Oula, attendez, je suis en train de m'en aller.
Y5, je suis trop bas, je suis passé à côté. Eh merde. Vas-y, vas-y. Vas-y, Roger, je sais que tu sais, je sais que tu peux le faire. Ah, bon. Bah, zut. Bon, et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas le son du jeu. Attendez une seconde. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi. Bon, ça fait rien. On se passera du son. Mais moi, ça m'arrangera bien pour. Bah, attendez. En fait, si je l'ai. Ouais, c'est ça, ok. En fait, il est dans. Il est dans mon casque parce que j'ai changé mes paramètres de son. Donc en fait j'ai le son du jeu dans mon casque et puis le reste du son Windows en fait dans les haut-parleurs. Oh c'est con, j'ai tapé juste à côté. Bon. Bon bah écoutez, je reprends mieux que ça et puis on se retrouve quand je serai juste au-dessus du Stronghold. Voilà. Je vais essayer de le localiser mieux que ça et puis bah, je vous reprends après. Ok, donc j'ai creusé juste à côté, donc il y a vraiment, allez, je dirais bien 6 blocs à gauche du trou que j'ai trouvé, enfin à droite du trou que j'ai creusé. On va même dire 8 blocs pour être sûr. Ok. On est reparti. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, normalement ici on est bon. Vite, avant que je peux prendre un dégât. Salut chérie, c'est moi. Je suis rentré. Bon, c'est fait. J'ai trouvé le troisième Stronghold. Youpi! Ah ouais, la bouteille d'expérience. Ah, rends-moi ça. Ouais, évidemment, je joue avec un niveau. Bon. Je vais reboucher ça avant que. Donc voilà. Bon, je vais enlever. Attendez, j'enlève mon casque parce que. Voilà. Et. Mais. Ils sont chiants ces bestioles. Bon. Attendez, j'éclaire bien pour éviter qu'ils spawnent. Voilà. Et ben on va explorer ça. Ok, donc par là c'est un cul-de-sac. Ah, une grande bibliothèque. On a trouvé ça déjà. Ah ouais, d'accord. Elle est à moitié d'une crevasse. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a du monde. Oh, spawner à zombie. Ouais, c'est ça. Vas-y.
je vais trop au contact. Ça va pas quand je me bats. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Redstone et pomme dorée. Hein, pomme dorée, c'est cool. Ma hache. Mon épée qu'il me faut. Un spawner à zombies, c'est cool. Ce serait pour avoir des villageois, mais bon, c'est un peu compliqué. Faut les vendre. Ouais, qu'est-ce que. Non. Elle est bizarre la génération ici. Il y a du beau. Du... Non, c'est pas ce que je pense. Ok, alors c'est un entrepôt, mais il est très bizarre. Ah, j'y crois pas. Bon, bah on a trouvé un entrepôt, mais voilà la taille de l'entrepôt, quoi. Il n'y a qu'un coffre. Oh non, mais non, mais non. Quoi? Oh, mais c'est pas vrai. Tiens, il y a aussi un... Il y a aussi un spawner à... Mais vous pouvez rien me faire. J'ai une armure de la mort qui tue. Allez. Je vais rapprocher mes... Hop. Voilà, comme ça, un torche de... Ok. Pas chiant, tiens ça. Bon, par là, c'est la bibliothèque apparemment. Par là, ça vient de l'océan ou c'est... Ouais, ça vient de l'océan. C'est un trou de l'océan, donc on va boucher ça avant que ça m'énerve. Bon, bibliothèque. Ça c'est cool. Bon, on va la démolir. Et je suis toujours malade, ça change pas. Salut la chauve-souris. Pas très safe ça. Ok, deux livres. Ouais, sauf que mes coffres sont pleins. Bon. Ah! Ouais, j'ai un petit freeze du jeu. Il y a une échelle ici, donc on est bon. Ok. Je me souviens plus si dans le Stronghold j'avais, c'était mon homme, quoi qu'il est à la surface de toute façon, je peux toujours redescendre. What? D'accord, ok. Pourquoi il a fallu que tu te génères au-dessus d'un putain d'océan, toi? Je parle au Stronghold, hein, bien sûr. Ouais, bon, ça change pas. Je parle à des trucs qui n'existent, enfin qui sont pas réels. Ça change pas. On va arrêter de se battre contre le courant parce que ça a plus tendance à m'énerver qu'autre chose, donc ça c'est le ok. Et donc ça va être encore un épisode un peu longué, mais bon. J'ai l'espoir qu'il y aurait un second. Comment? Bon, ok, je vais passer par l'autre escalier, ce sera plus simple. Comment? Qu'il y ait un second entrepôt, même si ça m'étonnerait beaucoup.
sait jamais. D'accord. Bienvenue à la fête. Ok, bon, donc ça c'est ça rejoint la bibliothèque. Ah, une autre bibliothèque, ok. Ouais, à la hache, bien sûr. C'est quoi cette demi-grande bibliothèque? Ah, il est trop bizarre ce Stronghold. Bon. Ah d'accord, puis il est vraiment isolé du reste, quoi. YOLO! Bon. Ah ouais, mais quand je dis isolé, c'est vraiment isolé, quoi. D'accord, ok. Bah écoutez, je vais me démolir ça rapidement, il n'y en a pas pour long. Même si je sais que j'ai pas assez de... Je voulais rejoindre le portail pour me setter le home. Bon, tant pis, il est en surface, je replongerai tout à l'heure. Voilà, parce que je suis full. Pourquoi j'ai des boutons sur moi? Pierre, je m'en fiche. Allez. Bon. Sinon, quoi de neuf? Eh ben, pas grand-chose sur le serveur, donc le spawn n'a pas beaucoup évolué. Delta ne s'est pas reconnecté pour pour améliorer la salle des potions. Donc voilà. Bon, ok. De toute façon, je retourne au home. Je taperai un flashback pour revenir ici, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Pour le moment, je vais tout mettre dans le coffre ici, histoire de juste de me décharger. Je trierai plus tard. Et puis bon, moi, je vais en mettre également ici. Tout ça, j'en ai pas besoin. Et tout ça peut me servir. J'ai plus beaucoup de torches. C'est au-dessous. Voilà. Donc, oui, c'est tout. Si encore un joueur nous a rejoint hier sous la coupe de Gollum 29, donc la famille du serveur s'agrandit. Dans notre base de données, alors il y a beaucoup de joueurs inactifs, hein, mais il y a 71 comptes d'enregistrés dans notre base de données. Ça fait déjà un sacré paquet de joueurs. Sauf que je reboucherai derrière moi ici, il n'y a pas de raison pour que je revienne un jour. Hein. Donc pas besoin d'éclairer. Ça se démolit pas à l'épée, ça?
Ok, je sais pas à quoi ça se démolit, mais... Et vous, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas très nombreux à suivre la série, mais... Mais bon. Je la fais quand même parce que ça me fait plaisir. Bah, moi, je m'amuse bien quand même. Enfin, je m'amuse. Même si à l'épisode précédent, j'ai pas mal ragé sur les Stronghold. Là, bon, bah, j'ai trouvé un Stronghold encore avec une bibliothèque. Bon, mais les livres, c'est pas ce qui manque. Et puis le malheureux... Le tout petit entrepôt qui ne contenait qu'une pomme dorée. Voilà, donc... hop, ici, je rebouche avec du gravier, je sais ce que ça vaut. Et donc ici, c'est un cul. Ça, tiens. Il y aura du combat épique. Je vous mettrai peut-être une petite musique en arrière-fond très très léger, mais... Toujours une musique du site de Newground. Je vais essayer de chercher d'autres musiques intéressantes chez Newground. Parce qu'on m'a dit qu'elles étaient géniales. Géniaux. Qu'elles étaient... Non, qu'elles étaient géniales, c'est bien ça. Ok, il y a des geôles. Encore de la flotte. J'ai des pierres sur moi, je vais les utiliser. Hop. Allez. Voilà. Qu'on soit peinard. Mine PNJ. Ah! Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe là-dedans? Bon. On retourne au... Oh, c'en est un autre! Mais il n'y a rien dedans! Bon, puis il y aura une mine PNJ à visiter avec. Bon, bah... On est pas mal gâtés quand même, mais là... Ça fait limite trop à explorer, quoi. Oh là là là. Bon, ce Stronghold est vraiment énorme. Donc, en plus, il est troué de partout. Donc, oh non, je me casse. Et j'ai plus de bouffe sur moi. Ok, bon. Par là, qu'est-ce qu'on a? Une porte qui mène vers d'autres portes. Portception. Je... Désolé. Je suis vraiment désolé. Sorry. I'm sorry. Bon, ouais, les torches, merci. En fait, les torches, c'est des fonctionnaires. Elles ne marchent que quand il y a quelqu'un. Pardon pour les fonctionnaires. Je... Oh non. Ah bon, ok.
Toute cette partie était inutile. Oh non, va-t'en, toi. Va-t'en, je ne t'aime pas. Pas? Kitak. Bah, cul-de-sac. Bon, donc on sait par là, c'est un cul-de-sac. Je mets une pierre. Je sais qu'une pierre comme ça qui sera un peu placée bizarrement, ça voudra dire cul-de-sac, mais bon. La solution, c'est plus parlant. Ça part par là. Par là, apparemment, bah, il n'y a que pique. Casser cette dalle, cette pierre. Ça, c'est un fonctionnaire qui s'est pas réveillé. Oula! Je tourne en rond. Ah, puis je suis dans les dernières couches du jeu en plus. Oh non. Par pitié. Ok, je me casse. Y a rien ici, y a rien d'intéressant. T'as même pas des petits coffres isolés, quoi. Oh non. Bon bah épisode un peu fail, pas grand chose d'intéressant franchement, donc je sais même pas si je vais vous mettre ça en accéléré à l'occasion, je suis en train de parler pour rien parce que ce sera de la merde quoi, ce sera, je mettrai des gros passages en accéléré, des passages où il y a rien, mais non. Voilà, j'ai dit non. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Pomme et pioche. On est d'accord. Oh, puis je sais pas si je vous mettrai en accéléré après tout, parce que bon, j'ai. Voilà quoi, c'est quand même. L'exploration d'un stronghold. Je veux dire, il n'y a pas énormément de youtubeurs qui vous présentent ça. Donc. Et ça nous permet de voir des trucs super sympas. Ça, c'est la génération de Minecraft, ça, vous voyez? Voilà. Donc, eh ben, je prends un petit screen. Tiens, allez, hop, cadeau. Voilà. Ça sera envoyé, si j'ai le temps et si j'y pense, sur le forum de Mojang. Parlant de descendre une mine. Ah, du lapis lazuli. On va passer par là. D'accord, donc en fait lui. Tout à fait. Rien, 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 rien. Oh, pourquoi les strongholds sont tous aussi vides? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ok, on repart sur une mine. J'ai plus de torche. Je n'ai plus de motherfucking torche. Donc, ben, on va continuer un peu sans torche. Fais ton travail! Rien, 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 rien. Quand on se limite à devenir énervant. Et par là, on revient à une caverne. Par là, il n'y a rien non plus. Bon. Ah
Ah oui, d'accord, je me suis éloigné à ce point du. Normalement, c'est de l'autre côté. C'est. D'accord, je suis parti à l'opposé en fait. Non, le creeper. Non, le creeper. Je veux juste c'était mon homme dans le. Ah oui, mais j'avais rebouché derrière moi. Oh, ça fait. Je replacerai le bloc. J'ai fait le con. J'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Je descends là-dedans sans torche, moi, j'adore. Je suis un kamikaze. Bon, allez, je me mets là, hop. Je lâche 7. Dégage! Je lâche 7 hommes, je disais. J'ai 3. Un score. MDJ. Hop, voilà. Comme ça, au moins, j'ai mon homme. Je peux revenir quand je veux. Je redécharge mon stuff. Je reprends des torches. Écoutez, je pense que de toute façon, moi, je vais continuer à explorer hors caméra. Parce que je suppose que. Apparemment oui, on a largement dépassé le temps d'épisode en question. Donc ok, j'arrive pas à voir. Attendez, une seconde. Je coupe Fraps, je regarde et je vous dis ça tout de suite. Ok, plus de 32 minutes. Donc eh ben on va s'arrêter là. Donc ça aurait été une demi-heure d'exploration de Stronghold. Et puis bon ben on aura vu la nouvelle pièce, mais franchement elle était pas remplie. Moi je pensais que les entrepôts. Je sais pas moi, quand je vois entrepôt, je vois la salle remplie de coffres, quoi. Je veux dire, même avec des coffres vides, mais au moins des coffres, quoi. Puis bon bah il y avait rien. Donc eh ben je réfléchis parce que je vais vous mettre tout ça en accéléré certainement. Je regarde l'espace qu'il y a sur mon disque dur. On va se décider là. Si non non non. On va s'arrêter là. Bon bah ça aurait été un épisode peut-être un peu ennuyeux. Ah, oh, ça me plaît pas cet épisode. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire parce qu'on a. On a découvert des trucs, mais en même temps. Bah, je vous mettrai des phases d'accéléré, certainement. Donc, eh ben, écoutez, je commence déjà la post-production. Et puis, ben, si ça. Si c'est bon, ben. On continue et puis bah sinon bah on s'arrête là. Non allez, on va s'arrêter là. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Oh, il est chiant cet épisode, il est chiant. Bon, je réfléchis au 17e épisode, on fera quelque chose de plus intéressant certainement. Je sais pas encore quoi. Mais on fera quelque chose d'intéressant. Oh allez, j'ai envie de finir en beauté, vous savez quoi? Avec le nouveau serveur, il y avait un truc que j'avais envie d'essayer. Alors par contre, j'ai pas les crânes de squelette. Donc vous m'excuserez, on va se cheater un petit peu le truc. On va finir quand même sur une note un peu plus intéressante. Il me faut de la bouffe. Déjà. Il va me falloir un arc. Mon arc, je dois toujours l'avoir ici. Non, donc j'ai dû le paumer. Donc on va prendre un. Non, il est là. Non, ça c'est un arc puissance 1. Ça. Ouais, bon, en gros, autant que je le réenchante. Et j'ai pas Affinity dessus. Bon, ça fait rien. J'ai des flèches. Il va me falloir des bouteilles d'enchantement. Devrait être suffisant.
Alors, puissance 4, puissance 5. Hop, hop. 11 niveaux, donc je l'avais pas assez. Pourquoi j'ai perdu un demi-cœur de dégâts? Ah non, je devais avoir déjà des dégâts et j'étais en train de me régénérer. Hop, donc voilà, donc je vais prendre que ce qui est nécessaire. Et en fait, on va aller se taper un nouveau Wither, mais avec le nouveau serveur, donc avec les mobs qui lag nettement moins. Bon, je laisse mon équipement ici, je sais qu'il est ici. Donc j'ai besoin de l'épée, j'ai besoin d'arc, j'ai besoin de flèches. C'est dans les loots de mobs. Je vais prendre deux stacks pour être sûr. Loot de mobs. Ah! Bon, et après je suis full. Bon! Warp, Nether, Roof. On va se le taper ici. Non, parce qu'ici c'est un petit peu en hauteur. S'éloigner un peu. Je vais juste me giver les crânes de squelette. On va se faire ça ensemble. Donc, voilà. De la Soul Sand, j'ai pas dû en garder sur moi. Voilà. Et on va se retaper ça ensemble très rapidement, histoire que qu'on finisse sur une bonne note. Sur un. Voilà, sur un truc. Oh. Ouais, je l'ai récupéré, ok. Allez! Voilà. Donc j'ai un stuff équivalent à ce que je m'étais fait au premier, 8h. Un petit peu moins puissant peut-être, mais sinon qui ressemble énormément. Peut-être que le serveur en facile résultat, ben, c'est pour ça qu'il nous met pas trop l'effet 8h. Ah, il est nettement plus... enfin, ouais, il fait un peu mal quoi. Ok. Ah, il déchire un peu avec Affinity HD quand même niveau graphisme. Je vous ai pas montré mon épée, mais mon épée tranchant 5 et recul 2. J'avais un châtiment, mais le châtiment en fait il veut pas se mettre s'il y a un tel truc là, donc voilà. Bon, écoutez, vu que j'avais cheaté de toute façon les ressources, l'étoile du Nether, je la supprime. Mais je voulais qu'on le réessaye avec, enfin, sans les lags. Donc, faut quand même être assez bien stuffé pour éviter qu'il nous fasse mal, mais sinon... Sinon, voilà. Donc, bah écoutez, le spawn a... Les murs ont un petit peu avancé. Même pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert si vous avez tout de même aimé cette vidéo, même si cet épisode a été extrêmement chiant, je le pense. Après, voilà. Suivez l'actualité du serveur sur le site mindserv-mdj.fr.nf. Inscrivez-vous si vous voulez nous rejoindre. Suivez également l'actualité sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt!